body is on. Let's go. Shots, 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 shots. Bonsoir et bienvenue sur le plateau des recettes pompettes. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Stéphane Richard, grand chef de renom qui a travaillé dans le grand établissement parisien. Oui, bah voilà Stéphane, parle-moi un petit peu plus de toi. Je travaillais au Bristol et je travaillais aussi au Nord de Saint, où j'ai fait mes premiers pas. Et nous allons accueillir ce soir un chamelier, et non pas un sommelier. Un chamelier, allez. Du prénom Guillaume. Et voilà. Bienvenue chamelier. Sorcier, ça fait plaisir. Enchanté. Voilà, je t'ai envie de t'habiller, les gars. Merci. Bienvenue déjà. Ben, merci, c'est un plaisir d'être accueilli à Vitelland. Ce soir, donc, comme tu veux savoir, nous allons réaliser une petite recette. Pompette. Mais pompette, c'est exactement. Donc, il y a des aliments, il y a du vin, on a un barman, il y a du rhum. Pour t'accueillir, nous allons boire un petit shot. Alors, ce soir, nous allons réaliser une recette exclusivement tout au barbecue. Oh là là. Donc on a un peu travaillé pour toi quand même avant, on a allumé la braise. C'est très gentil. On va éviter que tu te laisses. Donc ce soir, tu vas voir, nous avons du bar. C'est du bar. C'est du bar. Du bar bien frais. Il tient bien droit. Ensuite, nous avons du persil, des oignons, des œufs, des carottes, des tomates et le fruit de l'arbre à pain, appelé aussi en Polynésie française le houx. Avec ceci, nous allons faire des gnocchis. Des gnocchis. Des gnocchis ou. Pour faire les gnocchis, on va cuire ça donc à la braise. On va le faire brûler partout. Une fois qu'il sera brûlé, après on pourra déboucher, on fera la purée avec ça, ça servira. Normalement on fait de la pâte de terre, mais là ça sera du bon. Je laisse le mettre dans le barbecue. Avec ces houx, nous allons faire un coulis de poivron. Nous allons aussi faire brûler tout autour du feu. En fait, on va faire brûler la peau. Après, on va le déboucher, la soie de la chair. Après, on va mixer ça pour mettre une éclair. Tu peux le mettre aussi. Tu peux mettre tous les poivrons. C'est pas grave, une fois qu'il a probablement enlevé la peau, la chair elle sera pas grave. Et avec ça, on aura un bon coup. Un peu fumé, non? Eh, oubliez pas vos verres, monsieur. On a les carottes. Ah, attendez, excusez-moi, il y a une petite interruption. Ah. Alors, ensuite, avec cette recette, le coulis de poivron, les gnocchis de roux, nous allons réaliser une sauce chien. Avec des comme oignons, les chiens. Comme les chiens. Avec des oignons, du persil et de la carotte. Et avec ceci, un petit filet de barbeille. Tu sais lever un poisson? Bah, comme ça. Ouais. C'est tout? J'ai cassé la meuf. C'est tout d'abord. C'est tout comment on différencie un mâle ou une femelle? Bah, s'il y a des œufs ou pas? Non, non, c'est pas ça. Regarde. Il y a un petit coquille là. Celui-là a une bite ou pas? Ils sont tous pareils. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. La seule différence, c'est juste, enfin, si c'est un mâle, mais il donne des coups de queue. Voilà, nous allons enlever le poisson. Je te montre un filet et tu fais le reste. Ouais, attends. Je crois qu'il avait soif. Ah, important. Toujours, mais... Merci, moustache. À la vôtre, monsieur. Il boule encore. Bon, rincez, chérie. Aïe. Voilà. Ah. Oh, 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 oh. Elle est partie à la mer, celui-là. Attention. Elle est pas loin, la mer, mon coco. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire sur ce petit poisson? Que ferais-tu? Eh ben, je l'ai barberé avec, voilà, je taillais la barbe. Et ensuite, je l'ouvrirai et je lèverai les filets. Tout d'abord, on va vraiment le vider. Ah, on peut le vider. Mais la poubelle, t'es. On pourrait mettre dans la poubelle. Après, on est dans les Caraïbes. On peut le mettre à la mer, c'est vrai. Exactement. La mer est juste derrière. On met dans la mer. C'est beau chaud, hein. Tout à la mer. Au pire, s'il n'y a pas de mer, tu mets sur le toit des voisins, ils sont contents dans le matin. Ouais, happy
pas comme un. Qui va niquer le filet. Il le vent, c'est pas du poisson. Il est con, quoi. Voilà. Et nous, dans notre cas, on met à la mer. Ouais. On balance tout à la mer. Dégueulasse, quand même. Après, on lance à la mer, les tortues vont manger, les poissons vont manger. Ah, c'est le recyclage. Voilà. Il y a toujours les mouettes qui passent par là aussi. Ah, voilà, oui. C'est recyclé. Eh, la gueule, la mouette. Un petit shooter, la gueule. Attends, j'arrive. Ah, ouais, je peux pas. Une bonne planche à découper en bois. La tête, on va peut-être pas la balancer à la mer quand même. Peut-être pas la mer quand même. Ou loin sur la route. Faut prendre de l'élan. Alors. La mouette est contente. Merci, Moustache. Toujours désinfecter un peu son plan. Toujours les petits poissons, une marinade. Avant et après. L'arrête. On pourra en faire un fumier. On n'en a pas forcément besoin pour la recette, ouais. Donc à la mer. Voilà, on va... les filets de bar. Nous avons le bar, maintenant nous avons les filets, là qui sont juste prêts à griller. Voilà, sans arrêt, désarrêtés. Hey, bon, un poisson terminé, ça? Un poisson? Ah bah oui, un shooter. Bah oui, mais moi je suis en retard. Donne-moi ça. Il est con. Mais quel poissonnerie. Là on est plus dans une poissonnerie, je t'assure. Voilà. Jusqu'au bout. Sandwich. Oh. Pas beaucoup pour tout. Voilà. J'ai sorti une poisson sur la tête. Hein. C'est pas nous. Eh, quand même ici, les poissons ont quand même de la gueule. Hein. Ils arrivent à la scum pour leur mettre des poissons sur la gueule. C'est, hein, c'est des poissons c'est volants. C'est les Caraïbes. Il y a qui hop. Heureusement que c'est le premier. Mais un an d'apprentissage de cuisine avant de devenir à poids mort. Pas trop perte, le couteau comme ça. Mais arrêtez de me faire chier avec vos costes. Hein. Merde. Chef Eric, ce poisson est pour vous. Voilà. C'est avec des commis comme ça qu'après on fait que de la mousseline, on n'a plus de filet à la carte. On a que de la purée. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de guacamole avec tout ça? Et une sauce au gingembre par lit, hein? Ah, JGV. Jamais sans radis. Pour déguster ce poisson, je le conseille cru, mais aussi bon quand il est cuit. Il est pas en train de faire de la merde. D'habitude, dans la baie de Saint-Joseph, c'est que des thons. Mais oui, il y a du bar aussi. Il y a un peu de tout là-dedans. Surtout le dimanche, hein, les thons. Tire pas dessus, coupe, tire pas dessus, coupe. On est bon. Quand on est bon, on est... bon. Con. C'est un filet quand vous avez 300 à la base. Là, on est sur un morceau de 120. Moi, c'est bien, c'est... Oui, mais combien on va le vendre, ça? 50 euros. Et encore... Vas-y, sens là. Vas-y, le poisson. Fais un gros coup. Voilà. Olé. Pareil dans l'autre sens. Mais laisse le filet. Voilà. Bravo. Oh. Bravo. Il a réussi. Oh la vache. Heureusement que t'as pas levé les deux parce qu'on aurait été. Oh putain. Il y a une poissonnerie juste là-bas, c'est sûr, on voit jamais ton CV. Hein. Là, ça fera un filet enfant. Hein, tu le fiches. C'est ce qu'on appelle les kids. Ah. Oui, exactement. Ouais, ouais. Le jour où on tourne un restaurant, au pire, elle va dans une école maternelle et fait juste à manger pour eux. Oh, mais ils boivent pas. Hein. Non, mais après, t'as bien fait. Hein. On voit la différence entre ça. Il y en a pas ça, trop. Hein. Ça, attends, j'ai pas incisé. Oh là là. Oh, oh là là. Pour être lourd pour incisé. Ah. Il a pas rincé le poisson. Ah, de l'eau. Esclave. Si on a des réclamations des voisins, on sait où ça vient. Il n'y a pas de voisins, on va sur une plage privée. Les commis, s'il vous plaît. Les commis.
C'est bon, on a bientôt terminé alors le poisson, la première étape du poisson, ça évolue un peu Stéphane? Voilà, ouais, on va rasser au vin. C'est quand même pas mal. Ouais, je vois que les tiens sont plutôt... On va rincer au vin parce qu'il n'est pas très bon. C'est pas possible. Tiens, arrête. Ça c'est des restes, c'est la fermeture, vous comprenez. C'est un sauterne. C'est des raisins botrytisés. Et ça pourrait être sympa de l'accompagner avec le rhum passion en marinade. Si on marine ce poisson avec ça, on met juste 2-3 oignons comme ça, on marine avec le vin blanc, et après avec le poivron, tout ça, la pisse. Et un petit peu d'herbe. Et un peu de piment. Voilà. Est-ce que ça irait bien ensemble? Super, ça va donner un petit goût sucré au poisson, parce que c'est plein de sucre, on est à 150 grammes par litre, et c'est vraiment. Ça peut être intéressant. On n'a pas goûté! Il faut le goûter, chef! À vous l'honneur! Toujours, comme dans les grands restaurants, toujours prendre un verre pour déguster. Mais ici, on est dans le carré. À votre enquête. Je pense. Je te laisse éplucher l'oignon. Voilà, et c'est pour les écailles. Enfin, ouais. Ouais, c'est un peu dégueulasse dans votre cuisine. Ouais, y a pas de bruit. Est-ce que vous avez bien aiguisé votre couteau, chef? Non. Déguisé votre couteau. On l'a pas déguisé, mais on l'a aiguisé. Je l'émince ou je l'ai... Émincé finement. Et là, je pleure. Attendez, les poissons, ils ont faim. Pas la tête. Finement, j'ai dit. Avant. D'accord, ça peut servir. Ça tourne, on va servir. Attendez, faut pas mélanger les pluches et le reste. Ça va mariner, on va mettre ça dessus, ça va infuser un peu sur le poisson. Du goût. Je vois qu'on a terminé le poisson, c'est là, super. Ça continue de brûler visiblement. Je vous invite tous les deux à nous rejoindre sur le prochain jeu, le premier jeu, le Chauffardail. Et bon, alors je sais pas si vous connaissez le principe. Je connais pas, moi. Moi je vais vous l'expliquer. On va vous l'expliquer, vous allez voir, c'est tellement fun et tellement de shooter. Ça va être super. Nous revoici sur l'émission et nous avons donc Stéphane Chamelier, le premier jeu c'est le toucher bourré. Vous allez pas faire le truc tout seul, vous allez chacun choisir si vous voulez. Enfin si vous voulez, vous allez choisir. Un coup. Je souhaiterais un petit homme dénommé Barberino. Le siège juste là. Merci Chamelier. Stéphane, Richard, chef, mon grand chef, à ton tour. Attention, ça. Okay. Non, alors il est déjà pris. Il y en a un deuxième. Oh. Mais quelle surprise. Il s'est reconnu. T'appelles Julien. Ça marche. Allez, Julien, s'il vous plaît. On applaudit bien fort nos deux volontaires par défaut. Donc, vous pouvez voir, vous avez les bouts, vous avez les gentils, vous avez les méchants. Hein. Oh, Yuni. C'est une mission avec Sébastien là. Oh, Yuni. Vous avez le droit de placer vos bateaux comme vous voulez. Ah, attends, de façon horizontale, verticale. On s'en branle ça. Non, on s'en branle pas, c'est important. Et en diagonale, tu peux pas, c'est pour ça que je précise. Il n'y a pas d'encre, il dérive. Ok, donc restez le truc de rester. Vous voyez, vu que vous êtes mauvais, Détroit. Ouais. Aux États-Unis? Non. Coulé. Touché. Touché, coulé. Dans l'eau? À l'eau. Il y a jamais joué à ce jeu, c'est pas possible. Et moi je dirais B5. B5? Ouais, c'est touché. Touché, à shot or die. Bon, les gars? Non. Winterberg. Le B5. Oh putain! Touché. Mais vous avez pas un gilet de sauvetage? D2. Minute 20, la D2. C'est la départementale qui traverse tout le Médoc et qui voit tous les beaux châteaux. On trahit jamais sa patrie. E5. T'es touché. Non. Ils sont finis. Alors on devrait pas se boire un petit sulter pour fêter ça. Et je vais faire comme le papier feuille. Il va s'indiquer à E5. Ça c'est vous,
c'est pas nous au 5 les gars. Non, pas du tout. En fait, ils jouent leur bateau depuis tout à l'heure. Et Mais ah, attends. La chatte la voisine. Et le shot final. Non, c'est pas le shot final, c'est surtout que c'est toute une rangée qui a porté pour mon petit hier. C'est comme le beer pong. C'est comme le beer pong, mon petit hier. Si après vous étiez en. Alors, nous sommes repartis, nous avons réalisé, la sauce est chiant. Attendez, j'essaye, c'était beau. Des carottes. Ouais. C'est pas un bon couteau, hein. Des rhums. Ah. Pour réaliser une bonne sauce chien, il faut jouer au Big Boy Cœur, en YouTube. Avec des. Avec des chiens. Et avec des oignons. Et voilà, et à ce chien. Et si vous reproduisez ça chez vous, faites-le régulièrement. Et avec des couteaux, pas dangereux. Voilà, c'est réalisé par les professionnels tout de même. Merci Maïté. C'est toi qui m'as tout à fait. Et cette ciboulette, et cette crème fraîche. Non, rien assaisonné, il faut tout assaisonner. Voilà, il y en a un peu trop. Allez. Ensuite, hop, on va faire une brunoise. Alors une brunoise, c'est un découpage de 2 mm sur 2 mm en carré. Vu que t'es invité, il est radin sur la dose. Voilà, là, là t'as la bonne dose. Allez, plus pour toi public. Voilà, ah, ils m'ont niqué mon chapeau. Ah c'est bien. Il s'est réglé là. Après, tu vois, Regarde-moi ça. La chlorophylle ressort, c'est vert. Il y a du goût. Du goût. Du goût, du goût, du goût, du goût. Il a la carotte dans les cheveux. L'oignon était en trop. C'est pas si mauvais que ça. Ouais, mais l'oignon. Ça fait un petit caramel de beurre salé iodé. Mixe plus parce qu'il y a des bouts d'herbe là. Un peu de bière. Non. Non, c'est pour le côté gazeux. C'est pour la couleur. Mais non, c'est comme. Ah, tu as air. Ah oui, j'ai air. Là au moins, là c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, c'était pas bon. Ça c'était pas bon, mais alors là, c'est pas du tout bon. Ça va, heureusement qu'on travaille proprement. Parce que des fois, dans les cuisines, c'est sûr, c'est vraiment pas propre. C'est dégueulasse. Nous, on est propre. C'est si bien douce, piment. Très finement. De Guadeloupe. Oh. Pour enlever les. Non, on met tout. Non, bon, j'ai tout rien. On est pas. Hein. Sacré plan de travail, hein. 2 mètres sur 3 mètres. Ah, mais on a les moyens. Hein. On a vraiment mis. Chamier, t'as goûté un peu le piment avant quand même ou pas? Ah, je connais, moi je mange très pimenté. C'est un piment c'est végétarien, pas, c'est pas fort ça. Ouais, je connais. Tu peux y aller. Hein. Non, mais goûte la frite. Ça va goûter. Ça pique déjà. Hein. M'en goûte pas. Oh. Il n'a pas de pain, il a des carottes. Il a goûté. Mais il est con. Voilà. Il a fait un chamelier. Un verre pour chamelier. Vous l'aurez assez, chamelier. Voilà. Ça va mieux là, hein? Non. Réfléchis là. Chamelier. Passez. Il sait pas le quitter. Il y a quoi un peu de potion? Si, c'est un détox. Il n'y a pas de kale, mais c'est un détox. T'es sûr? T'es sûr, Aminata? Non. C'est la recette d'Aminata. Je vais faire une petite limite. Allez! Tu veux une paille? Une paille, voilà. Mais dans partout.
ira mieux. Voilà, voilà. Donc là, du coup, on a la base de la sèche. Ouais. J'ai plus son ami du sel, mon on n'a pas mis d'huile. Il faut mettre les lipides d'un côté, les glucides de l'autre. Et les glucides de l'autre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on y ajoute? Une marinade. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'on y ajoute? Une rominade. Non. De l'eau chaude. Mais pas ta main. Voilà, on a fait bouillir de l'eau. On est toujours à l'ancienne. Hein. Voilà, on a fait à l'FTT. Fais gaffe. Voilà, très délicatement. On a les doigts qui se posaient. Ça boue, ça va cuire, ça va mariner après, tu vois. Juste à hauteur, comme ça. Tu vois. On mélange. Là, voilà. Que vino son chien, parfaitement voilà, réalisé. Tout simplement. Ça a été chiant, toi, mais... Retour sur le plateau avec le deuxième jeu de cette soirée. Donc vous allez choisir tous les deux trois coéquipiers en plus supplémentaires qui se joindra à votre équipe. Puisque là, je pense que c'est clair. Bah, choisissez trois coéquipiers, ça peut être n'importe qui. Moi. Ça peut être n'importe qui pour boire de la bière. Ok, ceux qui attrapent les trois carottes sont avec moi. Et là, on dirait pas. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Et alors. La carotte. Bah, moi, je prends le reste. Ok, donc Stéphane, Raimiti, Heidi, Barberin pour l'équipe de droite. Vous allez pendant ce temps-là choisir un leader, ok? Ok, de ce côté-là, nous allons. Maxime, Benjamin. C'est qui votre leader? C'est qui votre leader? Je baptise le capitaine de la tête aux pieds. Allez, parti. C'est la bière, hein. Mais tu es puissant. Il y a 200, il y a 200 là-dedans. Il y a 200, il faut le dire. Putain, merde. Voilà, bravo, ouais, nickel. Stéphane et ton équipe, vous avez gagné, vous avez remporté. Félicitations. Alors, ça fait quoi un peu de... Raconte-moi, ça fait quoi là? Je me rallie avec la victoire. Allez, ça va, un shooter pour faire ce qu'on fait, ça. Et on repart sur la recette. Allez, c'est parti. Retour en direct sur le plateau de Vitelland. Et maintenant, on va fumer le poisson. Voilà, c'est l'invité qui prend les rênes. Et voilà, il fait de la merde. Je crois que tu as envie de manger ça après. Je l'ai fait ça sur des filets, mais pas sur les miens. Avec les chefs maniers, on est pas dans la merde. On est dans le raisin. Bon, tu sors. Tu sors. La culotte du public. Le où il est cuit. Voilà, c'est plus qu'une blanche, donc plus de tours. Ça pue, hein. Ouais, qui veut goûter? Ouais. Pas ça. On est pas des chiens, nous, tu veux quoi, toi? Pour les poissons. Hé, hey, Pokéball. Attends, mais pas le noyau, couillon. Ah bon, pas. Tiens, attends. Il met pas ça dedans parce que là ça va chier. Bon après le reste, de toute façon, il met ça à la mer. Pas dans la mer, dans la poubelle. On en a un, on en met deux. Mais il y en a déjà un qui est là, si tu veux, on peut le mettre dedans. Attends, on va ramasser quand même, parce que ça peut toujours servir. Dégoûtant.
assez jeune, important. Toujours la technique. Mais de l'amour, s'il te plaît, et de l'émotion. Bien sûr. Et on peut mettre la sauce dedans? Non. Un peu de farine. Et après, tu mets en vrai. Tu peux mettre à la main, non? C'est un mieux. Non, mais non. L'hygiène, oh, ces temps-là, les LQE et les trucs comme ça, ouais, casse les couilles. Il faudra mettre une casserole à bouillir dans l'eau. Une casserole à bouillir dans l'eau. Sur les bonnes écailles de poisson. Attends, je crois que t'as soif. Bon, ils vont de la recette. Et jette un œuf. Et nous, on a encore mieux que la recette. On a les recettes. Pompette. Allez. Rosé avec un peu de rosé. Non mais arrête. Tu sens l'émotion monter en toi là. Là tu vois, on commence à avoir une pâte, on commence à avoir quelque chose. Est-ce que tu sens l'émotion monter là? Hein? Là tu vois, quand ça commence comme ça, attends, oui. Là on a une pâte à nuque. Et ça t'es pas pensé à quelque chose quand tu fais ça? T'es pensé à quoi? Une grappe de raisin qui s'écrase? Ouais, peut-être autre chose. Toujours un peu de farine, toujours. Oh. Toujours. Allez. Bien fariné. Tu sais là... comment recoller les gnocchis mâles et les gnocchis la... femelles? Oui. Hein? Vous voyez, vous savez ça, j'ai envie de vous dire, ce petit nuage là, et eh bah ben, c'est bien symbolique de l'île où on est. Je vous laisse deviner où on est. Parce qu'ici il neige beaucoup, mais il n'y a pas de montagne. Pour son mari. Eh putain. Non là, toujours un œuf sur les gnocchis. Très important. Mais je suis pas un gnocchi. Bon, et comment je sais pas, je là depuis tout à l'heure, ça tourne. La petite boule. Allez. Les petites boulettes. On fait des boules. Doucement, putain, tu fais une boule, après tu ressembles à un ballon de rugby, et ça, out. À la merde. Pour rayer les gnocchis, moi je conseille une fourchette. Il y a aussi du style en bois. Mais moi, ce que je préfère, c'est mes clés de voiture. Ah, c'est pas l'inverse. Mais moi, je croyais que c'était comme ça. Mais non. Regarde, c'est comme toi. Non, prends moins bien. T'as fait une boule? Oh là là, c'est beau. C'est beau, beau la pour la cuisine. Oh là là. Les gens 200 comme ça, ils font de la paix. Alors, les gnocchis sont prêts, les gnocchis sont en train de cuire. C'est en cuisson, on est bien. Très bien, alors en attendant, moi je vous propose de découvrir le clip de Frambois de Cassis. Vous allez voir, c'est quelque chose de formidable. Première projection, incroyable. Premier soir en exclusivité, vous pouvez accueillir Frambois de Cassis. Frambois de Cassis, s'il vous plaît, faites du bruit. C'est pour cette personne que j'ai aimé, que j'aime et que j'aimerai. Un enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Mes doigts pris sur tes poignets,
m'aimais, je m'aime et je m'aimerai. Et quoi que je fasse, l'amour est partout où je regarde. Dans les moindres coins de l'espace, dans les moindres rêves où je m'attarde. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il me connaît. Je suis si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans mes filets. Le monde a tellement de regrets. Tellement de choses qu'on promet. Seule pour laquelle je suis fait. Je m'aimais, je m'aime et je m'aimerai. Mais quoi que je fasse, l'amour est partout où je regarde. Dans les moindres recoins de l'espace, dans les moindres rêves où je m'attarde. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Je m'envolerai du même quai, mes yeux dans les mêmes reflets. Cette vie et celle d'après, je serai mon unique projet. Je m'en irai poser mes portraits sur tous les plafonds de tous mes palais, sur tous les murs que je trouverai. Juste en dessous j'écrirai, seule la lumière vous pourrait. Mes doigts pris sur tes poignets, je m'aimais, je m'aime et je m'aimerai. Waouh, 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 après le clip vidéo de Franck Brancassis, bon, on va reprendre la recette où elle en était. Voilà. Alors, bon, les gnocchis sont cuits. Les gnocchis, Alors, ok, d'accord. C'est important. Je vous laisse faire. Je resterai dans l'eau bouillante. Et 20 points. 40. Top, top, top. Voilà. On faut pas en mettre trop non plus. Sinon, ça bouffe. Bon, on est quand même bon parce qu'on a pas mis à côté. Stéphane. Comment tu sais qu'un bah, gnocchi est cuit, enfin que bah, quand tu le laisses, c'est quand il remonte à la surface et qu'il est cuit. Ouais, ça bouge pas. Oui, oui. Ça bouge les gars, c'est génial. Le cuit de poivron. Nous allons faire le cuit de poivron. Donc, chamelier, je t'invite. Attention, chaussée bah, glissante. Chaussée. À mettre tous les poivrons. Comme ça, dans le bol. Et surtout, pensez à l'hygiène. Voilà, l'hygiène. Mets du jus aussi. On sait pas ce que c'est, mais mets-le quand même. Ah, c'est peut-être de la pisse. Hein. Oui, wow. Est-ce qu'on met du vin dedans? On non, attend. Bouton. On parle pas beaucoup de vin dans cette émission. Hein. Voilà. Y a pas de jus. C'est le droit. Tourne vers la gauche. Tourne vers la gauche, ton bol. Voilà. Ah, il y avait du jus. Et donc, nous avons
Et on est bien en fait sur l'assiette. Nous avons la saucisse. Attendez, attendez. Des gnocchi. Il faut, à chaque étape de réalisation de cuisine, toujours avoir une petite pensée pour Bacchus. Moi j'adore premier, alors premier c'est pas cher, mais. C'est goûtu hein! Donc, the place to be ici. Nous avons les gnocchi, nous avons la sauce chien, ou la couille poivron. Ah, on fait quoi du couille de poivron? Ouais, c'est bon. Attends, je vais touiller avec mon doigt si vous permettez. Oh! Arrête, l'hygiène, bordel! Ouais, c'est bon hein! Et avec les bleus qui s'aident très bon. C'est bon hein. Et la mise en place. Le mec il est tout bon. Bien. À jour. C'est pas mal. Pas. Jam, à la mer. C'est ça pour le bon. C'est bien. Hein. Bonne texture. C'est goûtu. Okay. On dirait du poivron rouge. Tiens, je peux. Fais un fait tourner public. Fais un shooter, s'il vous plaît, le shot détox de la soirée. On fait quoi ensuite, chef? On va écœurer les poissons. Mais ils sont pas très chauds. Bienvenue à la dégustation de Vitellement Vôtre par Chamelier et Chef. Ta main. Est-ce que tu sais les 4 vins? Vas-y, Molo! Il y a Léoub, Bousquet, Petit Caillou, ouais. et Roumieux ou Montredon, non? Non, t'as un gant à la mousse chardonnay. À la mousse, Catena, à la mousse chardonnay. Oh, j'ai déjà ma petite idée. Et pourtant, c'est des verres en plastique, hein. C'est pas facile à déguster, croyez-moi. Croyez, écoutez donc mes conseils. Croyez-moi. Catena à la mousse chardonnay. Bravo. Bravo, monsieur. Attends, c'est fini. Maintenant, prochain verre. Château Bousquet. Il est bon. Bravo. Et j'ai jamais goûté. Hein. Mais je sais que vous qu'on vient de l'ouvrir. Alors que l'autre il a une semaine. Donc... Allez, suivant. Toi et où? Non. Et bah, c'est pas le Catena à la Beauce. Il y avait quoi? Il y avait Montredon et l'autre c'était Roumieux. Bah c'est Montredon alors. C'est peut-être un vin qui s'est incrusté à la soirée. Allez. Bah vous avez fait un mélange alors. Non. Ah c'est pas le rosé dégueulasse de Julien? Non. Ah salope. Un vin qu'on a vu ensemble. Il est un peu sucré. On l'a vu ensemble. Ouais. À quel moment de notre vie? Oh. C'est pas du petit piton blanc peut-être? Pas ça. Non. Un petit piton blanc? Ouais. C'est vrai? Ah, c'est beau. Vraiment une merde! T'es vraiment une merde, Chamelier! T'es vraiment une merde. Je bois plus. Je bois, je crache pas. Dernier. Dernier. Comme madame, on dira pas de ça. Ouf, ça, ça pue. Ça, c'est le petit caillou. Mais non! C'est si dégueulasse que ça. C'est immonde! Ah ouais? Oh, oh. C'est oh, ah, ça qu'on a 8 ans? C'est le rosé de Léo, ou pas? Non. Il est sorti un palais, Chamelier! Chamelier quand même! Ah, tu vas pas le montrer là! Hein. C'est pas les petits pitons rouges quand même! Eh si! Eh ben si! Vous buvez de la merde et vous l'aimez! Ah, ah ouais? Le petit piton Le petit piton.
Un shooter. Ouais. Ça va. Ouais, pour éviter d'être bourré, il faut garder la gueule de bois. C'est parti, nous avons mis en cuisson les filets de barre, c'est bien ça Stéphane? Exactement. Ok, très bien. par contre, je me tourne vers mon invité, vers notre invité, pardon. Pour un dernier jeu, Chamelier des Caraïbes. Chamelier des Caraïbes. Ok, ce dernier jeu, Chamelier, s'appelle le vrai ou faux. C'est très simple. Non. Je vais te poser plusieurs questions l'une après l'autre. Il va falloir que dans un minimum de temps, tu réponds rapidement par vrai ou par faux. D'accord? Chamelier, vous êtes prêts? Ça va aller vite, hein? T'es prêt? Ouais. D'accord, le vin ou faux? Le vin blanc n'est fait qu'à partir de raisins blancs. Vrai ou faux? Faux. Ok, le vin le plus cher est en Bourgogne. Vrai ou faux? Moyen. Moyen, c'est pas une réponse. Vrai ou faux? Vrai, Henri Jaillet. Vrai, très bien. Le vin blanc donne en général plus mal à la tête que le vin rouge, vrai ou faux? Vrai, parce qu'il y a plus de sulfite dedans. Très bien. Un viticulteur décide lui-même de la date du début de ses vendanges, vrai ou faux? Non, c'est un arrêté préfectoral. Très bien. Un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir contient l'équivalent de 20 bouteilles, vrai ou faux? 16 litres. Ça doit être ça. Vrai ou faux? Je peux calculer? Non. Bon, on vous dire vrai. Très bien. Les bouteilles au fromage. Les bouteilles au fromage contiennent plus de graisse que la main sans fromage. Vrai ou faux? Les bouteilles aux formes allongées contenant des vins d'Alsace s'appelant des flûtes. Vrai ou faux? Oui. Vrai. Ouais. Je me suis posé une question. Le volume de la bouteille a une influence sur la conservation du vin. Vrai ou faux? Tu peux répéter la question. Le volume de la bouteille a une influence sur la conservation du vin, vrai ou faux? Bah quoi qu'il arrive, il faut la finir. Ouais. Bon, c'est donc vrai, alors, on s'en fout. Un vin muté est un vin fait à partir de raisins génétiquement modifiés, vrai ou faux? Faux. Très bien. Le puits fumé existe aussi en rouge. Faux. Ah très bien, c'est vrai. C'est bon ça. On peut utiliser des raisins blancs dans l'assemblage d'un rouge. Vrai ou faux? Oui. C'est vrai. Pinot blanc en Bourgogne par exemple. Bah, top. Non, c'est bon. Oh. Un continental contrôlé est toujours un millésimé. Vrai ou faux? Vrai. Ok, c'est faux. Non, non. Tu t'es planté comme une merde. J'en connais aucune. Ah si, champagne brut chaque année. Bah, c'est la seule exception. Allez, c'est bon. Le Beaujolais rouge provient du cépage Gamay. Vrai ou faux? Ouais. Ça c'est vrai ça. Les arômes de miel sont courants sur des vieux blancs secs, notamment en Bourgogne. Ça dépend, j'irais vrai. Ouais, bah ouais, ça va. Le château Ikem est un vin blanc liquoreux, vrai ou faux? Vrai. Ouais, ça va. Est-ce que tu es complètement bourré? Faux. Je dirais que je pourrais boire encore un petit moment. Ah ouais! Ah ouais! Il a vrai qu'on lui sert un shooter! Voilà! C'est pas un shooter, c'est lui qui vole. Moi c'est aussi je trinque au pied. Et franchement, un petit piton blanc. Ça trinque pas, ça se boit au goulot. Allez, j'ai retombé sur le bon angle. C'est peut-être pas le pire. Les ratios, Richard. Là, dessus, on est bon, le cos il est bon. Et là, le poisson est cuit. Le poisson cuit. Le couille est réalisé. Les gnocchis sont. Est-ce qu'on a goûté le poisson? La sauce est là. Et c'est pas mauvais. Hein. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Ah, il sent le poisson. Hein. Il est pas prêt ton poisson. Oh, comment ça il est pas prêt mon poisson? Il est fumé. Là t'as pas été mauvais. La peau a laissé son poisson. Et elle est carbonisée. C'est pas très bon. Mais qui sont. L'assiette du dressage. Une belle assiette. Porcelaine de Limoges. Franchement là on y est. Non, porcelaine de dictée, t'as mal lu. Ah merde. Ah oui, c'est écrit. Ah ouais. Qu'est-ce que nous allons mettre au fond de l'assiette? Un petit coulis pour colorer. Parce que dans une assiette, c'est une règle. Les trois trucs. Le volume, la couleur. C'est quoi le reste? Et le goût. Bravo, t'as le droit à gnocchi toi. Et là on fait les bords d'assiette. Qu'est-ce que t'as fait, Chamelier? Arrête, fais un fond plat.
Bon, Marc, fais ton dressage, comme tu veux. Fais le dressage le plus joli que tu puisses faire. Je fais comme Kevin, hein. Fais pas ça. Non, c'est pas une référence en plus. Et j'ai rien pour faire du bord d'assiette, les gars. Ouais, bah, au pire. Ah, j'ai ma langue. Prends ton calepin, ta langue. Ensuite, t'as la sauce du chien. La garniture chez nous, c'est plus important. Besoin d'hygiène toujours, prendre des pains, des couverts. Oh, je vais faire un dressage style assez. C'est de la représenter à la base. Ah bon? J'ai essayé. Mais pas tout. Non, mais regarde, c'est un soleil. Mais c'est là, un demi soleil. Et on se croit à la café des enfants. Et avec un petit poisson. Alors, prends le beau filet. Tu mets la peau dessus ou en dessous? Prends le beau filet, Chamonnier. Dessus? Bah oui. Bah oui. Oh, prends le beau filet, mais en deux. Bon, là, le beau, là. Ah, en croix. Le beau, là, c'est quel le beau? Celui-là, est beau, là. Oh là là. On fait jamais une croix dans une assiette. Ah bon? D'accord. Un poil. Après, on fait goûter par le jury, ils mettront une note. Hein. Après, on fait goûter par le jury. Et là, ce chien, voilà. Délicatement, sur toujours le avec une cuillère. Et bien sûr, on utilise toujours la cuillère. Après, on s'essuie sur le pantalon. Oh, ça va, c'est pas si dégueu. Bah, c'est beau, hein. C'est très beau. C'est comme à la cafette, hein. Faut faire goûter au jury. Voilà, jury beau, hein. Non. Non. Bah, hey, c'est bon, hein, j'ai goûté, c'est très bon. Hein. Mais c'est bon. Allez, 10 gouttes, regarde, le poisson est très bon. Ça va, il y a l'idée. Regarde la tête d'Aïdine. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Marco, il a très bon. Hein. Si, j'aime ça. Même lui, il n'y croit pas. Il y a une sucrillité. Merci, je vous remets votre diplôme. Ah, il est cassé. Oui. Mais c'est pas mauvais. Allez, non, on peut pas goûter. C'est relevé. Eh, venez goûter quand même pour une cuillère. Tout est fait au barbecue. On vous aime. Merci à toutes les recettes pompettes de nous avoir inspirés. Eh, merci Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe. Merci. Merci Anthony quand même d'avoir réalisé. Bravo. Merci. Poilonné. 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 On voulait juste faire une vraie recette et de la vraie cuisine. Et merci en fait, avec de l'amour. Mais on a mis de l'amour. Et de la passion. Et de la sauce. Et de la sauce. Et au final, le résultat est là. Et si le client, il veut de la sauce, on met de la sauce. Et si le client vous dit non, on met de la sauce. Allez, c'est super, et c'est parti pour les copains. Merci, Jim. Sans un invité. Exceptionnel. Merci au chef Richard de m'avoir accueilli et d'avoir accueilli dans son cœur les raisins de France. Et merci à Baptiste.